Bonjour, en espérant que tout aille bien par chez vous. Alors, petite vidéo pour vous présenter les objectifs de la séance. Ils seront très modestes puisque nous devons programmer en Python avec la réforme en bac techno, eh bien, nous allons essayer de trouver et apprendre à utiliser une interface web qui me permet donc de développer en Python. Alors c'est parti, ici j'ai mon navigateur web, c'est une navigation privée, pourquoi pas, je vais taper deux mots-clés, REPL et puis IT. Hop, si j'appuie sur Entrée, je vais tomber là-dessus, donc c'est une startup, REPL.IT, basée aux États-Unis, à San Francisco, et qui propose sur une même plateforme de pouvoir programmer à première vue avec plus de 50 langages différents. Donc Python, donc c'est ça qui m'intéresse. Bien, je vais cliquer dessus. Alors ici, soit je me connecte avec un compte, si vous voulez prendre cette option, et eh bien profitez-en pour utiliser votre compte Nanterre Atlantique, hein, au moins qu'il serve à ça. Moi je suis parti pour ne pas me connecter, donc je vais lui demander de me faire un nouveau REPL. Faudrait que je sache ce que ça veut dire, mais un nouveau programme. Je clique dessus, on propose un nouveau programme, oui, mais dans quelle langue? Donc moi je vais me prendre la langue Python et hop, je clique sur créer. Donc j'en suis à ce niveau-là de ma compréhension. Donc j'ai ici un truc qui me dit que je suis authentifié, enfin que je ne suis pas authentifié, mais que je suis connecté sur la plateforme en tant qu'anonyme, why not? Le Native Irritating Toolbox, ça c'est la petite note d'humour qui apparaît de plus en plus sur Internet. Vous le voyez des fois aussi sur les Google Docs quand on est à plusieurs à se connecter sur un même document. Donc c'est une dénomination, je pense, humoristique aléatoire pour un intérêt que je ne m'explique pas en fait. Donc ça n'est pas bien grave. Ici, c'est de quoi enregistrer, mais comme je n'ai pas de compte, je ne pourrai pas enregistrer dans ces espaces qui sont des espaces qui me sont proposés sur la plateforme REPLIT. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça, hop, je m'en moquerai bien. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces deux zones. Celle-là, c'est là où je vais pouvoir écrire mon programme, et puis celle-là, c'est le shell, c'est là où je vais voir l'exécution de mon programme, enfin si je lui demande de m'afficher des choses dans la fameuse zone d'exécution dans le shell. Bien, donc allons-y, écrivons notre premier programme stupide, on l'évitera le hello world, on va mettre A égale 1, vous remarquerez qu'il y a une coloration de ma syntaxe, donc ça c'est plutôt bon signe, c'est qu'il reconnaît certains paramètres. J'appuie sur Entrée. Si je lui demande de faire print parenthèse A, fermer parenthèse en print parenthèse A, et si je clique derrière et j'appuie sur Entrée, j'ai bien validé mes deux lignes de code. Le print est en bleu, c'est une syntaxe qui est reconnue. Le A égale 1. J'ai ici donc un auto-format, ça me permet, enfin ça lui permet de mettre des petits espaces qui vont bien. Et donc là, je viens d'écrire mon premier programme. Si je clique sur Run, ici, ça va lancer le programme. Et ça vient de me l'afficher, là, 1. Et puis j'ai le petit curseur qui apparaît juste en dessous. Donc là, effectivement, j'ai mis 1 dans la variable A. Et je lui demande la ligne du dessous de m'imprimer A. Donc, puisque A c'est 1, ça m'affiche 1. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de me faire. Bien, donc fin de cette première vidéo concernant la prise en main.